Hello Jussieux, on espère que vous allez bien. Non, faites quoi là? Gars, on va vous montrer comment on fait. Salut Jussieux, on espère que vous allez bien. De retour à la fac, on vous présente le premier point J de l'année. Vous êtes nouveau à l'UPMC? TVJ vous accompagne dans cette nouvelle expérience. Tu veux manger sainement pour 3€? On a ce qu'il te faut. Ramène-toi au Crous près du bâtiment A et viens découvrir la cafétéria au premier étage. Un espace de détente avec une terrasse idéale pour les beaux jours. Il y a aussi le grill ainsi que le resto universitaire. Mais attention à l'heure de pointe car dès 12h45, le Crous devient surpeuplé. Tu arrives à la fac et tu ne sais pas comment bien étudier ? Tu peux réserver un box avec tes potes, l'endroit idéal pour travailler sérieusement en groupe à la fac. Tu peux les retrouver dans toutes les bibliothèques universitaires. Ou sinon, tu peux préparer ton redoublement au bar d'à côté. La bière alcoolisée est dangereuse pour la santé. À la fac, tu peux faire partie d'une asso selon tes centres d'intérêt. On laisse Inès, notre vice-présidente, vous en parler. Donc la maison de la vie étudiante est située dans le patio entre la tour 23 et 24 et c'est un endroit de détente pour les étudiants où de nombreuses activités sont réalisées. La MBE c'est aussi le QG des associations du campus dont TVJCE qui est le média étudiant de la fac. Alors pour choisir ton asso, tu peux passer par la MVE. Wow, j'ai pris du poids cet été, hein. Faut que j'aille m'inscrire au DAPS. Allez, venez avec moi. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous, je suis David Isidore, je suis directeur du département des activités physiques et sportives, dit le DAPS. Qu'est-ce que le DAPS en spécifique en fait? On peut y retrouver quoi? Alors le DAPS a trois missions, proposer des pratiques sportives évaluées à travers les IE, proposer une pratique non évaluée, qu'on dit pratique personnelle pour tous, donc personnel et étudiant, et via l'AS, organiser la compétition universitaire. Où on peut s'inscrire au DAPS? Alors les inscriptions sont au sportif Jean Talbot, au premier étage. Il suffit de faire sa préinscription en ligne via l'application et de venir avec son certificat médical. On a la chance d'avoir des superbes installations, d'avoir un département dynamique, que notre université et l'Université Paris-Sorbonne mettent des moyens, donc profitez-en. Très bien, merci beaucoup. Venez goûter l'eau de Paris avec sa nouvelle formule, garantie sans sucre, sans calories, gluten-free et vegan. Puisée au cœur du territoire français, une recette élaborée en moins 800 par la tribu des Parisiens. Pour le bien-être de votre corps, buvez l'eau de Paris, car l'eau est et restera à jamais le meilleur des breuvages. Boire avec excès comporte des risques. Veuillez en parler à votre médecin traitant ou appeler 08 812 812 13 13. Appelons surtaxé. Salut, nous on est la BAC BDE Jussieux. On organise un way du 6 au 8 octobre. Si t'en as marre de te faire chier tous les week-ends et tout, viens avec nous. On est 250, tu vas te faire plein de nouveaux potes. Dans la journée, on va faire là les activités sportives, etc. Donc franchement, viens, ça va être le feu de ouf. Voilà, voilà. Et au fait, vous, comment s'est passée votre entrée? Si je vous dis rentrée, vous me dites... Travail. Compliqué hein. C'est lourd, c'est sympa, c'est bonne soirée. Pas grand chose. Fatigant. Plutôt bien pour le moment, enfin, ça va. Ouais. Réveil difficile. Super cool. Éprouvant, je dirais. Allô. Écoute, ça se passe hein. C'est plutôt pas sympa. Plutôt pas mal hein. La fin des vacances. Ça va, ça se passe. Plutôt cool. Et... fac. Est-ce que t'es heureuse d'être rentrée à la fac? Fac. Le retour à la réalité, le retour du réveil de la force, c'est sympa. Se réveiller le matin, entendre une sonnerie. Et les vacances, c'était comment du coup? J'ai travaillé en tant que caissière Intermarché, c'était plutôt sympa, dans une petite ville de merde qui s'appelle Volpénil. Plutôt sympatoche, ouais. Je suis pas allé en vacances, j'ai révisé. Pomme d'Orti pendant un mois, au soleil pendant un mois, ouais.
Ah non, les vacances, avant, c'était un peu pourri parce que je fais que taffer. Mais maintenant, t'as de l'argent. Et bah, c'est pour ça que je sors tous les soirs. Voilà, après, t'auras plus d'argent. Le sentiment du devoir accompli, on est prêt à rattaquer. C'est toujours mieux dans ce cas-là. Et est-ce que vous avez eu des galères pour vous inscrire ? Cette année, un peu, parce qu'ils ont retardé genre de un mois les dates d'inscription. Et toi, t'as eu des galères ? Moi, je suis toujours pas inscrit, donc ouais, j'ai un peu des galères. Ouais. Au début, j'ai dû m'inscrire un peu plus tard, 15 septembre, ouais, pour avoir ma carte d'étudiant et tout. Alors que je suis pas venue à la pré-rentrée, donc je me suis fait un peu crier dessus, mais sinon, ouais, ça va. Bah, du coup, nous, on vient de Nice, du coup, c'est notre première année ici. Ouais. Et on avait fait l'inscription administrative et on n'a pas reçu notre carte étudiant. On a eu le certificat de scolarité, du coup on a fait la queue pendant une heure pour avoir une petite carte. J'ai dû envoyer pas mal de mails pour avoir ce que je voulais. J'ai eu un petit problème, tu vois, avec l'arissa du taco, sinon... Et les cours ? Ah oui, ça va, mais en fait je redouble, du coup j'ai pas beaucoup de cours. Ah, l'astuce pour les L1 qui nous regardent, en deux fois, c'est super, beaucoup moins de cours. Pour une troisième L2, ça le fait. Écoute, on va essayer de valider cette fois-ci. Hein. Je repasse pour la troisième fois tous mes modules. Bonne chance. Et vous kiffez l'UPMC, ça va ? Ouais, non, c'est une super fac, super ambiance, superbe association, clairement. Très très bonnes associations, ouais, je suis d'accord. On espère que vous avez bien aimé le premier point J de cette année. On se revoit bientôt pour la prochaine édition.